m'appelle Emmanuel Deroche, je suis responsable des partenariats pour Arte Éducation, qui est en fait la filiale éducative de la chaîne Arte, qui a développé notamment la ressource Éducarte pour les enseignants et les élèves du secondaire. Donc, une fois qu'un établissement est abonné à la ressource, eh bien, tous les élèves et tous les enseignants d'un établissement vont avoir accès à un catalogue de plus de 2500 vidéos indexées par matière, sachant qu'on est représenté pour toutes les matières et pour tous les niveaux. Vous avez également des outils numériques qui vont vous permettre de découper les vidéos, qui vont vous permettre également d'insérer ces vidéos dans des outils numériques comme Moodle. Et puis vous avez enfin tout un accompagnement pédagogique qui propose des fiches pédagogiques et des projets pédagogiques. Alors les dernières actualités de la ressource se situent à la fois au niveau du site en lui-même, puisque nous sommes en train de finaliser la refonte du site. Donc à partir de janvier 2024, le site fera peau neuve. Vous aurez des nouvelles fonctionnalités et puis aussi une nouvelle ergonomie plus adaptée à l'usager. Et enfin, vous avez également au niveau de l'accompagnement pédagogique des actualités assez fortes. On propose en ce moment même des webinaires pour toutes les matières. Donc inscrivez-vous si vous voulez pour venir découvrir les contenus Éducarte pour votre matière. Et enfin, on propose de plus en plus de masterclass et notamment une masterclass à venir avec Amnesty Éducation sur la lutte contre les discriminations. Je dirais à la fois que l'impact social de la ressource se situe dans la mission de base, si vous voulez, d'Arte Éducation, qui souhaitait toucher les établissements, quelles que soient leurs origines culturelles, géographiques et sociales. Et puis, évidemment, sur la ressource, vous allez trouver un certain nombre de collections qui vont aborder des sujets de société. Ça peut être le développement durable, ça peut être l'inclusion, ça peut être la lutte contre les discriminations, qui du coup permettent, grâce à Éducarte, de viser une société meilleure.